Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on est sur un épisode de Final Fantasy 3. Donc c'est mon premier Final Fantasy qui était sur DS, donc là j'espère que vous apprécierez. Donc là on va commencer. Voilà. Hop. Je n'avais pas vu le trou. Où est-ce que je me suis foiré encore? Donc, lunettes. La première. Ok, d'accord. J'ai trouvé J'ai trouvé le bouton A, le bouton B. Donc là c'est bon, le nord confirmé. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, j'aime pas quand tu changes les prénoms, mais ça sera le seul prénom que je changerai. Et voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas de problème d'enregistrement. Sinon je serai obligé d'annuler le projet. Je ne sais pas combien d'épisodes je vais tourner. Quand je dis je sais pas combien d'épisodes je vais tourner, je voulais dire je ne sais pas combien d'épisodes par semaine de jeu je vais mettre, parce que là j'utilise l'ordinateur de ma mère qui est beaucoup plus puissant, mais il faut que je lui laisse évidemment pour travailler. Que je l'utilise que lorsque il n'est pas là. Donc là il n'y a pas de problème, un gobelin à chaque fois. Comme tous les Final Fantasy, le début il est facile. Comme tous les Final Fantasy, il y a un boss de début. Donc faut pas négliger le level up. Level up qui s'avérerait de jusqu'au niveau 3, je pense. Attaque anticipée. Voilà. Donc. Là, dans les deux gros. Dans les deux coffres, je crois qu'il y a un bouclier et une épée. Bon, je préfère utiliser deux épées et pas de bouclier, mais certains diraient le contraire. Donc ok, j'ai trouvé le donc je suis désolé pour équipement, voilà. Donc au fur et à mesure je vais m'y retrouver. J'avais pas dit que je préférais ne pas avoir le bouclier, mais plutôt deux épées, mais bon. Ce rocher a l'air bien étrange. Je vais devoir appuyer dessus. Au moins. Ils peuvent au moins laisser l'utilisateur chercher, là. Je dis utilisateur parce que je suis sur un ordinateur, mais en fait faudrait plutôt dire le joueur. Voilà. Donc je suis désolé si ça arme un petit peu, mais j'avais envie de le faire. Donc je le ferai, puis puis voilà. Si vous êtes pas content, vous avez qu'à ne pas regarder, puis on aura les commandes. Il faut que je me rattrape. Donc le bouton A c'est lui, le bouton B c'est lui. Thank you.
Giggles en expérience, je ne sais pas à quoi ça correspond, Giggles. J'ai fait plusieurs... Ah donc le bouton B, on peut l'utiliser pour marcher plus vite. Attaque anticipée, donc voilà. Donc, on va le tuer. Donc, je crois que le volet bleu, il sera plus fort. Bon, vous avez vu, il n'y a pas tellement de difficultés. Niveau de jam de Lunar, je ne sais pas ce que c'est qu'un job. Non, franchement, niveau introduction, ils y vont pas terrible. Hein. Vous avez un job, vous ne savez pas ce que c'est. Okay. Bon, si on mettait les tutos à chaque fois, ça serait pas terrible. Je sais pas, je vous ferai peut-être une toute petite vidéo pour vous montrer ce que c'est sur Game Boy Color. Mais clairement, il n'y a pas de niveau. C'est absolument terrifiant au point que c'est mauvais. Pourtant, le remake sur DS, il est absolument génial. Je peux vous dire qu'à l'époque c'était excellent d'avoir ce graphisme là sur une console portable. Voilà. Et c'est mon premier Final Fantasy, c'est celui qui m'a fait le plus adoré du genre, donc j'espère que vous aimerez aussi. HP et MP restauré. Ok, les MP c'est quoi? Ouais, c'est points de magie. Ok. Donc, statue. Donc. Prochain niveau 22. Ok, donc on fera un level up jusqu'au niveau. Jusqu'au niveau 3 si vous êtes d'accord. Non, c'est même pas si vous êtes d'accord, je le ferai parce que je ne veux pas crever face au prochain boss. Et j'espère qu'il n'y a pas de problème d'enregistrement. S'il y a des problèmes d'enregistrement, ça m'énerve. Le plus possible. Vous voyez, ça va vite. Niveau 5, on a 5 points d'expérience. Voilà. Quand vous commencez sur le jeu et que vous vous attendez pas au boss et que vous arrivez direct, je peux vous dire que ça doit faire mal. Hein. Donc, pourtant, les ennemis, on en a rencontré 4 différents déjà. 4 différents sur une grotte de début quand même. Faut vous dire, c'est énorme. Il y a certains jeux, ils prennent un monstre pour le début. Par exemple, sur Bravely Default, qui est un nouveau jeu qui est sorti en décembre. Si vous regardez la grotte du début, il y a 3 ou 4 monstres, je crois. Mais ils ont tous le même aspect graphique. Il y a juste leur nom qui change et l'objet qu'ils utilisent, mais sinon, pas tellement de différence. Alors que là, il y a vraiment pas mal de différence. Le jump de Lunar, voilà. Donc, Final Fantasy 3, ça doit être sorti il y a longtemps, je crois. Ouais, je crois que j'ai dû l'avoir en 6ème ou en 5ème. C'est-à-dire, j'ai 8 ou 9 ans, je crois. Ouais.
Je suis un élève de prépa, mais je ne sais pas exactement compter. Drôle. Ok. J'ai une super potion déjà. J'ai dû monter au niveau 3, non? Sans faire gaffe. Oui, depuis tout à l'heure. Merde, j'aurais. Oh, j'ai fait une gaffe. Bon, j'ai utilisé une potion. La flemme de revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Bon, il y a des musiques vraiment absolument géniales. Tellement géniales que je repère directement quand il y a des ralentissements. Et ça c'est énervant. Normalement le boss il est tranquille. Mais vous pouvez le faire tranquillement en utilisant les vents antarctiques si vous avez pas pensé à faire monter le niveau. Donc au prochain tour j'utilise une potion. Enfin. Une potion ça coûte pas cher je crois. Je crois que vous êtes vraiment libre niveau argent. Je crois qu'il y a quelques ralentissements niveau dans les combats. Voilà. Donc le combat pas très très difficile hein, si vous avez vu. Anglais, c'est fin de l'expérience, le niveau de jump de Lunar a progressé. Voilà. Donc, tu as été choisi. Qui est-ce qui est là? Guerrier du domaine des ténèbres, tu as été choisi pour être le porteur de l'espoir. Lunar, ce cristal me parle? Les ténèbres menacent d'engloutir le monde. Lorsque la lumière s'éteint, l'éclipse se brise. Mais de quoi vous parlez? D'autres partagent ton destin, tu dois les trouver. Ceci fait, je vous transmettrai notre dernière lumière, notre dernier espoir. Va maintenant. Ah, attendez, je ne comprends rien. Mais revoilà, revenu à la surface. Qu'est-ce que c'était? Lumière, ténèbres, notre dernier espoir, de quoi s'agit-il? Donc je vais vous dire au revoir sous ça, donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, aimer le jeu et à regarder les épisodes suivants, merci. Bye.